Buongiorno, benvenuti a questa puntata numero 100 di 7 giorni in Europa, qui dal Parlamento europeo a Strasburgo. 2 anni fa, quando abbiamo lanciato questo programma, parlavamo di crisi. La Troica aveva cominciato ad andare in Grecia, poi in Portogallo, poi in Irlanda, dettando ai governi le riforme da attuare per ricevere in cambio i prestiti europei. Oggi, dopo 2 anni, parliamo ancora di crisi. Ci sono ormai 26 milioni di disoccupati, ma almeno si cominciano a costruire delle soluzioni durature per la tenuta dell'euro. L'unione bancaria e il fallimento ordinato delle banche sono tra queste. Buongiorno Roberto Gualtieri. Buongiorno. Allora, lei è un eurodeputato socialista, eletto con il Partito Democratico, ed è uno dei 3 sherpa del Parlamento europeo che va a incontrare i governi per negoziare il futuro dell'Unione economica e finanziaria. Quindi chi meglio di lei ci può dire cosa bolle in pentola e soprattutto cosa bolle in pentola per questa unione bancaria e per questo fallimento delle banche? Ma prima di entrare nel vivo del nostro tema di oggi, allora abbiamo il nostro minuto a 360 gradi di domande secche. Lei può rispondere solo con un sì o con un no. È pronto? Vediamo. Ho paura. Sì. Partiamo. Allora, sono finite le primarie del Partito Democratico e lei ha appoggiato uno dei candidati che ha perso. Ora è fuori dai giochi? No. Secondo lei Matteo Renzi, il nuovo segretario del partito, può vincere le elezioni? Sì. Diventerà un buon premier? Sì. Le misure anticrisi decise in Europa finora le piacciono? No. Eppure senza riforme e tagli non si risanano i conti, è d'accordo? No. No. La Germania tiene duro sugli eurobonds. C'è un altro modo per finanziare, diciamo così, la crisi? Sì. Poi ce lo spiega. La Germania cambierà idea al vertice di dicembre? Dipende su cosa? Sugli eurobonds. No. No. Verranno firmati dei contratti vincolanti con ogni paese per obbligarli a rispettare gli impegni presi? Non ora. Non ora. È una buona soluzione quella dei contratti? No. No. Le misure contro la disoccupazione decise a Bruxelles sono utili? Non abbastanza. Lei è ottimista sull'Europa? Nonostante tutto, sì. Sì, bene, se l'è cavata bene, direi. Allora, l'altro tema caldo su cui tutti sono così molto in attesa di sapere verso dove si va sono questi contratti bilaterali che si stanno negoziando, insomma, proprio immagino al vostro livello degli sherpa, tra ogni paese e l'Unione Europea, per proprio vincolare il paese a rispettare il calendario delle riforme. Ci dica a che punto siamo e diciamo quale sarebbe la buona contropartita di uno Stato che deve accettare questo ulteriore impegno? Ma siamo in uno stadio che secondo me è ancora molto preliminare, perché nonostante lo sforzo del Consiglio europeo di dire c'è un accordo su alcune cose, loro vogliono arrivare a un accordo sui principi di massima, questo è per ora il compromesso nel Consiglio europeo di dicembre, però in realtà c'è un grande scontro all'interno del Consiglio europeo, tra col Parlamento, tra gli sherpa, appunto, tra visioni diverse. Ma perché ne parlate in questa riunione di sherpa? Ci racconti come funziona? Vi riunite intorno a un tavolo? È un tavolo molto grande, perché ci sono gli sherpa di tutti i 27 paesi, i rappresentanti dei primi ministri, con a fianco l'ambasciatore, i 28, scusate, sì. E con a fianco gli ambasciatori anche, e poi c'è gli sherpa del Parlamento, la Commissione, la Banca Centrale Europea, Genasmussen, insomma. È bello sherpa tedesco quello che spinge di più sherpa tedesco per ora. Spinge abbastanza. Spinge sì. Abbastanza. E lo sherpa italiano. Ma lui si è intelligente, abbastanza. Fa anche spingere altri. Ah, ecco. E lo sherpa italiano sta cercando di coinvolgere gli altri paesi. Sì, tipo si è creato un fronte della solidarietà con Francia, Belgio, Italia, Parlamento europeo, perché il punto è questo, e l'ho anche contestato io all'ultima riunione, non ci sono, si dice che questo deve essere un sistema per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche. Con i trattati attuali non ci sono gli strumenti per avere una politica economica giuridicamente vincolante decisa a Bruxelles, e quindi ci sono due sistemi, o le multe, le sanzioni, o gli incentivi. Quindi le sanzioni riguardano il deficit eccessivo e quindi non si possono usare per questa cosa, quindi ci sono solo gli incentivi. Ma il problema è che una serie di paesi dicono no, ma noi gli incentivi sì, qualche volta, non sempre. E allora la mia domanda è: ma a cosa serve uno strumento di incentivo se non c'è l'incentivo? Cioè qual è, diventa un po' come il contratto per gli italiani, ecco, per citare una cosa che, esatto, che non ha nessun... E quindi rischia di essere una cosa che magari giuridicamente non ha un grande valore, però poi per i paesi più fragili politicamente, economicamente, c'è in realtà una pressione. Come ho detto oggi in aula, rischia di essere una cosa debole con i forti e forte con i deboli. Ma concretamente al punto in cui siamo arrivati, l'Italia sperava, diciamoci la verità, di ottenere in cambio un'assicurazione sugli eurobonds. Adesso è scritto nero su bianco che questi eurobonds
bonus non arriveranno nel nuovo governo tedesco, che cosa potrebbe ottenere in cambio, diciamo, per accettare un vincolo così forte? No, il punto è cambiare la filosofia di questi contratti, che non devono essere degli indirizzi generali che affrontano i grandi squilibri, compresi quelli sociali e l'Eurozona, non l'idea dei compiti a casa del singolo paese. E poi devono essere, diciamo così, degli impegni che però allo stesso tempo hanno una contropartita. Quindi per esempio, il tema degli incentivi, la riforma delle pensioni o applicate l'IMU in cambio? In cambio ci dovrebbero essere, intanto ci dovrebbe essere una più chiara distinzione tra cosa l'Unione Europea chiede, che non sono i mezzi secondo noi, ma i fini, gli obiettivi, che ci dovrebbero essere anche obiettivi sociali, ci deve essere il tetto previsto di posti negli asili nido, ci deve essere il tetto di risorse per la ricerca e l'università, non deve essere solo riforme quelle. E dall'altra parte però delle riforme hanno un costo, magari il vantaggio è nel breve, medio-lungo periodo, allora ci deve essere un serio incentivo, che può essere un incentivo finanziario, e questo deve diventare il primo embrione di questo bilancio dell'Eurozona aggiuntivo, ma gli Stati non lo vogliono fare, di qui la nostra critica. Oppure ci possono essere anche altre ipotesi, si consente una golden rule sugli investimenti, si consente un allentamento del patto di stabilità, allora diventa un trade-off che può avere un senso, uno scambio può avere un senso. Bene. Ma così come sono delineati a noi non piacciono. Da seguire. Roberto Gualtieri, la interrompo, guardiamo insieme il resto delle attualità di questa settimana, ce lo racconta Caroline Grasso. Il faut sauver les stocks de poissons pour les générations futures. Mardi, les députés ont dit oui à l'interdiction de rejet de poissons et à l'introduction de quotas de pêche autorisés pour chaque État. Cette réforme de la politique européenne de la pêche devrait être mise en œuvre dès 2014 et inclut des sanctions pour ceux qui ne joueront pas le jeu. Mardi, dans l'hémicycle, il était également question de la pêche en eau profonde qui s'est intensifiée dangereusement ces dernières années. Les espèces vivant à moins de 400 mètres de profondeur sont particulièrement vulnérables car elles ont besoin de beaucoup plus de temps pour se reproduire. Comment faciliter l'accès de tous les citoyens européens au crédit hypothécaire? Un rapport du Parlement prévoit de simplifier les informations. Il vise à aider les candidats acquéreurs à mieux comprendre les risques encourus lors de la signature d'un prêt immobilier. Les députés se sont prononcés mardi pour aller plus loin et veiller à ce que la nouvelle législation garantisse que les règles sont les mêmes, quel que soit le pays de l'Union où est contracté le prêt immobilier. Le président du Mali dans l'hémicycle, Ibrahim Boubacar Keïta, élu cet été, a prononcé un discours en faveur de la réconciliation nationale. La tenue d'un scrutin présidentiel au Mali cet été avait été largement plébiscitée par la communauté internationale. Le pays était plongé dans l'instabilité depuis un coup d'État en janvier 2012. À Strasbourg, Ibrahim Boubacar Keïta a une nouvelle fois appelé à l'unité nationale du pays et rejeté toute velléité de séparation entre le nord et le sud du Mali. Allora Roberto Gualtieri, torniamo in studio, siamo quasi alla fase finale di questo lungo negoziato per quello che viene chiamato il secondo pilastro dell'unione bancaria, cioè adesso come accompagnare una banca verso il fallimento, evitando che come nel passato, ricordiamo che in Europa sono stati spesi fino ad ora circa 1.600 miliardi di euro per salvare le banche, quindi come evitare che nel futuro siano solo i cittadini europei a pagare per il fallimento. E dunque c'è tutto un sistema molto complicato che si sta costruendo. A che punto siamo col negoziato? Si arriverà a un accordo al vertice europeo secondo lei? Beh sì, il negoziato è piuttosto avanti, ci sono alcuni buoni risultati, altri ci lasciano un po' perplessi. Sul fondo di risoluzione si stanno facendo dei progressi, dovrebbe essere un fondo di natura comunitaria. Sì, interrompo solo un attimo per spiegare che il sistema quindi prevede che quando si va verso il fallimento paghino prima gli azionisti, poi chi detiene un bond e poi i correntisti a partire dai 100.000 euro, e poi c'è questo fondo che sarebbe una cassa dove dovrebbero contribuire tutti i paesi europei. Esatto. Però la Germania non vuole metterci soldi. Esatto, la Germania vuole evitare e vuole rimanere un sistema di fondi nazionali collegati tra loro e non voleva neanche un'autorità europea che decidesse. Invece questi due punti sembrano superati. Il rischio è che loro vogliono però far decidere più al Consiglio che alla Commissione, il che per ragioni complicate a noi, a noi non piace.
E sul fondo c'è il problema che si sta delineando un meccanismo molto faticoso e molto lungo di decisione, per cui deve decidere l'autorità, poi però ci deve essere la Commissione, può avere il veto, poi ci deve essere il Consiglio che però rigetta il veto della Commissione o l'autorizzazione, allora si ricomincia da capo e magari poi è troppo tardi. Quindi si va verso un accordo all'europea, cioè le fasi di transizione, prima fondi nazionali per poi... No, non tanto le fasi di transizione, il meccanismo decisionale con molte garanzie e diritto di veto sostanzialmente ai singoli paesi, e questa è una cosa che a noi non piace. Quindi, tra l'altro, stiamo parlando di un accordo a livello di Consiglio, questa è una procedura di codecisione, conta anche quello che dice il Parlamento, poi bisogna fare il negoziato tra la lettura del Parlamento e la lettura del Consiglio. Ci si arriverà secondo lei prima alle elezioni europee, che sono in maggio? Io spero di sì, sarebbe essenziale. Bene, lo seguiremo con più attenzione, grazie per essere venuto. Grazie, allora buon lavoro con gli Sherpa. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. The Broken Circle Breakdown, retenez bien ce titre, c'est le nom du film qui vient de gagner le Prix Lux 2013, attribué par le Parlement européen au meilleur film choisi par les députés européens. Et je suis avec moi sur ce plateau les réalisateurs de ce film, Félix Van Grüningen. Déjà, vous devez m'excuser parce que j'ai essayé, mais des dizaines de fois, je n'arrive pas à prononcer bien votre nom. Non, c'est bien. C'est Félix Van Grüningen. C'est l'Europe, désolé. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà réalisé d'autres œuvres. Ce n'est pas votre premier film. D'ailleurs, je rappelle, La Merditude des choses a été très appréciée à Cannes. Vous avez fait parler beaucoup de vous. Vous êtes arrivé d'ailleurs de manière un peu spectaculaire, tout nu et en vélo. Alors, je m'attendais des surprises au Parlement. Pas de surprises? Non. D'habitude, je suis très maniéré. On avait fait ça parce que ça faisait vraiment partie du film et voilà. C'est le même registre de ce film. Non, tout à fait, c'est un complètement différent film. On en parle tout de suite, d'ailleurs on a la bande-annonce qu'on va montrer à tout le monde, mais on a d'abord notre jeu de l'émission, c'est notre rituel. C'est une minute de questions rapides pour vous connaître un peu, auxquelles vous pouvez répondre seulement par un oui ou non. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Alors, vous vous attendiez à recevoir ces prix? Non. Non. Sûr? Grâce au prix Lux, votre film sera traduit en 24 langues, mais il est déjà sorti en 2012, donc il y a presque 2 ans. Toujours utile? Oui. Oui, bon. Parce que c'est pas complètement correct, mais oui. Oui, vous allez m'expliquer après alors. Dans votre film, on parle de la maladie, de la mort, de la vie par rapport à la mort, de l'euthanasie, des cellules souches. C'est un film avant tout politique? Non. Non. Êtes-vous attiré par la politique? Certains aspects. Cela vous plairait de voir l'Europe légiférer sur ces thèmes, l'euthanasie, les cellules souches? Oui, bien sûr. Pensez-vous qu'il y a assez de soutien à la culture en Europe? Oui, mais il peut toujours en avoir plus. Il y aura bientôt des élections pour renouveler les parlements. On parle de mouvements eurosceptiques qui ont beaucoup de succès. Est-ce que cela vous fait peur? Non, je crois à l'avenir. Vous croyez à l'avenir? J'avais d'autres questions, comme si vous votiez pour un parti nationaliste en Flandre. Non. Non. Non, ça veut dire que je ne réponds pas ou non, ça veut dire... Non, je ne vote pas pour une partie comme ça. Bon. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, regardons d'abord ensemble les bandes annonces de ces films. Will the circle be unbroken by and by, or by and by? Wat ik al heel mijn leven van bezeten ben, dat is van Amerika. Van waar dat ook zijt, je komt daartoe, je kunt gewoon opnieuw beginnen. Dat is een land van dromers. Het is zover. Mijn water is gebroken. Kalm, zeg kalm, kijk, kalm. Beslissen over het leven van iemand anders. Jij stikt wel mee, hè? Fuck you. We went down to his neighbor's door.
forgive me the devil, cause I wouldn't hold cold. Alors, Félix Van Grungen, on revient en studio. En regardant cette bande-annonce, on a l'impression qu'on va voir un film d'amour, un film sur la vie, sur la famille. Et puis pas du tout. C'est aussi un film sur tout ça, si je peux me permettre, mais c'est un film profond, lourd, très lourd. Comme ça laisse quand même une pesanteur. Pas de la maladie. Je pense pas qu'il est lourd. Je suis pas d'accord. C'est un film très très émouvant, mais je trouve pas qu'il est lourd. Parce qu'on sort pas. Donc les thèmes que vous touchez sont des thèmes qui ont un certain poids. Quand moi j'ai, le film est basé sur une pièce de théâtre. J'ai vu, j'ai commencé à pleurer après 10 minutes. Je pense, j'ai pas arrêté. Et en même temps, je suis sorti et je me sentais élevé. Je me sentais bien. Et c'est ça, ce film. Alors, donc, c'est quoi pas lourd. Messages? C'est quelque chose qui touche très fort à nos plus grandes peurs. Mais c'est aussi, c'est contrebalancé par une histoire d'amour incroyable. C'est très, très beau. C'est plein de vie. Et parfois, c'est ça la vie. C'est ces deux-là. Et on doit les accepter tous les deux et profiter des uns et trouver un moyen de vivre avec les autres. Enfin. C'est vrai que ça m'a touché aussi le fait qu'un des protagonistes du film, donc le père aussi, il est à un moment il devient très engagé, il a toute cette douleur, lui il assort un engagement presque politique, il s'en prend aux décisions qui empêchent de faire de la recherche sur les cellules souches. Est-ce que, voilà, il y a quand même un engagement politique quelque part qui ressort de ces films. Il y a toute cette poésie effectivement. Bon, je peux dire encore une chose sur les films, la musique est très belle, vraiment très belle. Mais il y a un engagement politique très fort. Est-ce que là, il y a quand même une volonté de mettre certains thèmes sur la table? Pour moi, ce n'est pas la raison de faire le film. C'était la raison pour Johan de faire la pièce de théâtre. Donc c'est inhérent, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire. Pour moi, ce n'était pas le grand but. Moi, ça m'a marqué, moi je peux me trouver. Je pense que ce qui est beau à ce film et à cette histoire, c'est qu'on voit les deux côtés. Ça a quelque chose de... Un regard très humain sur toute cette problématique et les regards opposés. D'accord. Alors revenons à ces prix luxe pour lesquels vous êtes là aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas exactement correct. Donc, on rappelle, c'est un prix pour la distribution. Donc, ça vous aide avec la traduction. Bon, vous êtes les gagnants, donc aussi pour les gens non-voyants. Mais en quoi ça va vous aider, ce film, maintenant? Excusez-moi. Le fait d'être finaliste, donc un des trois films, des trois finalistes, c'est déjà au fait le prix. Maintenant, moi, je suis le gagnant, donc moi, j'ai la statuette et l'honneur. Mais les trois finalistes, ils ont été... les films ont été traduits en 24 langues, 23, 24. Et ils ont fait... j'ai entendu les chiffres tout à l'heure. Ils ont fait des 45 projections dans tous les pays de l'Europe. Ils ont atterri 35 millions de personnes. Donc, pour nous, c'est génial. Donc, c'est là où l'Europe doit intervenir? Je pense bien. Il y a de l'aide de l'Europe déjà pour les films aussi financièrement, mais pour l'instant, c'est encore les pays même qui donnent la plupart d'argent, le plus grand bout. Et je pense que c'est bien aussi, parce que sinon ça devient trop grand ou trop complexe pour trouver de l'argent ou enfin, donc je pense que ça c'est bien mais le fait de soutenir ce qui est très très bien à ce prix luxe, c'est que ça aide dans les deux sens. Mm-hmm. Ça aide au Parlement européen pour les Européens de se connaître, de parler de l'Europe aussi, et en même temps ça aide les films aussi de trouver un public. Oui. Je voulais juste un commentaire parce que le temps est très réduit. Dans la cérémonie de remise des prix, vous avez dit, vous n'avez pas parlé beaucoup parce que le temps était aussi réduit, mais vous avez dit, je suis content que vous avez au moins regardé ces films pour voter, parce que in a way I educate you, hein, je vous ai éduqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, aussi ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une idée du prix luxe, c'est que les membres du Parlement européen, c'est eux qui votent. Et ça fait qu'ils doivent regarder les films. Ils sont engagés à voir ces films qu'ils ne regarderont pas toujours, mais c'est possible. Donc, qui ne l'a pas vu, allons voir ces films. Hein? Oui. Allez. Merci beaucoup pour être venu.
À bientôt. Merci beaucoup. Et c'est tout pour cette semaine d'Estera depuis Strasbourg. À bientôt. Arrivederci.